Bonjour mes soleils d'amour, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe très bien chez vous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, astuces et all action. Donc je vais vous présenter les choses que j'ai achetées et ce que j'en ai fait chez Action. Donc pour commencer, j'avais vraiment besoin d'organisation. Pour ma salle de bain. Donc, euh, je commençais trop à accumuler plein de produits par-ci, par-là. Je me suis dit, il est vraiment temps que je m'en occupe. Donc, du coup, j'ai acheté ces petits caissons-là chez Action qui sont juste très, très, très bien. Dans le sens où ils peuvent se plier. Bon, je vais pas les déplier tous les deux matins. Mais euh, ce sont des caissons que j'avais acheté il y a quelques années. J'avais acheté chez Jiffy. Je les mettais dans ma voiture en fait pour porter mes courses et tout, mais bon, après j'ai vite eu la flemme. Mais euh, ceux-là, je trouve que la calicelle est beaucoup plus robuste, en fait. Je trouve qu'ils ils tiennent bien, en fait. Et aussi, action, action, action. Alors là, ils m'ont séduit avec les couleurs. Alors, les couleurs pastel comme ça, c'était juste trop beau. Quand j'ai vu le violet pastel, j'ai vu le vert pastel. J'ai dit, toi, 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 tu viens avec moi parce que ce que j'avais c'était du noir et c'était comme je vous ai dit dans le temps, j'avais acheté ça chez Jiffy il y a peut-être 4 ans, 3 ans et c'était pas si solide. Ceux-là, ils sont en plus ils sont vraiment très faciles à monter et on sent vraiment que ça va tenir quoi. Donc c'est ce que je vais faire, j'en ai acheté trois. J'ai acheté deux grands, deux grands caissons et un petit. Donc deux verts comme ça pastel et un petit euh, violet. Le premier, je vais mettre tout simplement euh, tout ce qui est produit euh, de nettoyage pour ma salle de bain. Comme ça, ça va m'éviter en fait de descendre parce que la salle, ma salle de bain est tout en haut et euh, celle des enfants est en bas et euh, au premier étage. Donc ça va m'éviter de me trimballer comme ça tout le temps avec euh, les choses ou euh, de laisser traîner aussi les produits d'hygiène un peu partout dans ma salle de bain. Donc j'ai préféré faire une petite caisse comme ça quand j'ai envie de nettoyer et hop je soulève ma caisse, je nettoie, ce sera plus pratique pour moi et aussi un gain de temps. Pour la petite boîte que la petite, euh, le petit contenant. Lui par contre j'ai prévu euh, prendre tout ce que j'ai autour du lavabo, en fait. Donc euh, à savoir euh, tout ce qui est produit d'hygiène, mes lotions, mes masques, euh, mes, euh, enfin tout ce qui tout ce que j'utilise en fait pour mon visage. Et tout ça en fait. Donc je vais mettre ça dans le caisson là. Et euh, comme ça, ils seront bien concentrés à un seul endroit. Et puis on n'en parle pas. Parce que c'était un peu trop éparpillé. Et puis ça faisait un peu fouillis. C'était pas trop agréable en fait. J'aimais ai, pas trop. Et quand je suis tombée sur ces. Depuis, je cherche des caisses euh, de ce type là. Et je ne trouvais pas. Et euh, j'avais trouvé chez Emma. Mais il n'y avait pas la grande contenance. Et c'était un peu plus cher. Donc, euh, et là chez Action, c'était juste parfait. Donc voilà ce que j'en ai fait euh, de ces petites caisses-là. Nous passons donc à mon deuxième massage. C'est tout simplement cette petite bouteille-là. Elle est trop 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 belle. C'est une bouteille euh, à pulvériser, vous savez. Je l'ai trouvée au rayon, euh, plantes et tout ça, jardin euh, avec des petits reliefs comme ça. C'est trop beau. C'est vraiment trop 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 beau. Donc quand je l'ai pris. Euh, moi, j'avais déjà pris un, mais c'était pour mettre un produit pour les cheveux, en fait. Un DIY que j'avais fait pour mes cheveux. Et là, aujourd'hui, je vais faire un DIY pour euh, tout simplement euh, le ménage. Donc, ce qui va m'emmener au deuxième achat. Donc, parce que c'est avec le deuxième achat que je vais faire ce DIY. Je vais le réaliser tout simplement avec le petit savon au fil de bœuf. Comme vous savez, le fil de bœuf, il est trop, trop, trop bien. Pour euh, en tout ce qui concerne les tâches, c'est vraiment un savon qui coûte moins d'un euro, mais qui fait des merveilles. Il, franchement, son efficacité n'est même plus approuvée. Et euh, quand je suis tombée sur ce DIY, j'ai dit non, toi, mais toi, mais toi, je vais te réaliser parce que c'était trop ingénieux. Donc pour le réaliser, vous allez avoir besoin d'un récipient, en fait, d'un bol assez creux. Ensuite, de l'eau chaude. Donc je vais verser mon eau chaude dans mon récipient. Ensuite, je viendrai poser le savon à l'intérieur du récipient. Je vais le laisser quelques minutes histoire qu'il y ait quand même un peu plus de matière qui va s'enlever et qui va se mélanger avec de l'eau. Et puis le tour est joué. Et puis le tour est joué. Donc là, je remue un peu pour enlever le plus de matière en fait. Et je vais venir enlever mon savon. Donc là, j'enlève mon savon. J'ai attendu quand même que l'eau tiédisse un peu parce qu'on ne va pas se brûler quand même. J'enlève ça et je le mets donc dans mon récipient à pulvériser. Il faut savoir que cette solution que j'ai faite, vous pouvez l'utiliser partout. Donc, c'est tout simplement un détachant. Donc, quand vous avez la flamme de sortir le savon, de le frotter sur le vêtement, vous prenez tout simplement cette solution, pchit pchit, sur la tâche et vas-y, on fait notre lessive. Franchement, j'ai trouvé ça génial. Les fauteuils, euh, si vous avez une tâche, hop, 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 on y va, on pchit et c'est bon. Donc, j'ai trouvé ça beaucoup plus pratique quand on est pressé euh, d'utiliser ça de la sorte. Et je me suis dit, euh, je vais le faire et je pense que je vais continuer parce que j'étais littéralement. Amoureuse de cette astuce là, je l'ai testé euh, tout simplement sur. Euh, je vais vous montrer, je l'ai testé sur le tapis, mais quelle révélation! Quelle révélation! C'était juste génial. Je l'ai testé aussi sur quelques vêtements, mais je vous ai pas montré en vidéo. J'étais conquise donc là, je vais faire un petit DIY. Hein, J'écris comme ça vite fait à la main. Euh, la, un petit, une petite étiquette euh, histoire de ne pas se tremper quand même <laughs> donc euh, voilà et donc mon tapis avait une tache franchement j'ai sprayé le produit j'ai pris un chiffon microfibre j'ai frotté euh, je vous assure vous allez voir vous même le résultat la tache s'est enlevée mais en même temps c'est pas une surprise parce que ce savon il est juste magnifique hein. mais euh, le, le fait de l'utiliser comme ça c'est juste génial c'est juste génial du coup, je... On va passer au troisième article que j'ai acheté. C'est tout simplement ces paniers. J'en avais déjà acheté et euh, j'en ai racheté parce que j'en avais besoin pour euh, ranger tout simplement mes chiffons microfibres. Je trouve ces paniers vraiment trop 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 beaux. Franchement, je les adore. Après, bon, l'intérieur en tissu. On va pas stocker tout et n'importe quoi parce que ben, laver le tissu qui est à l'intérieur c'est un peu compliqué. C'est mieux de stocker des produits secs. Moi par exemple aujourd'hui euh, en fait, mon idée c'était de mettre euh, mes torchons en fait, tout simplement. J'ai euh, celle en plastique pour mettre euh, mes microfibres et je me suis dit les torchons, tout ça, je vais les mettre dans une caisse comme ça et j'ai trop aimé. On va passer à la prochaine, à mon prochain achat. Là, vous voyez, je suis en train de chercher... Euh, tout simplement des accroches adhésifs euh, chez Action. J'ai cherché les miens parce qu'en fait j'avais acheté euh, un modèle qui avait super bien accroché et là en fait ils ont mélangé tout et je n'arrivais pas à le trouver. J'ai vraiment cherché, il y avait euh, les modèles que je vous montre là mais euh, le mien là euh, je ne l'ai pas trouvé donc il y avait en plastique blanc il y avait en aluminium mais avec deux crochets ou avec un crochet mais ça ressemblait pas au mien et j'ai trouvé le mien au fin fond il restait qu'un seul un seul donc euh, tant mieux il y en a deux dedans donc euh, vous allez voir ce que je vais faire avec donc arrivé à la maison j'ai déballé tout ça et j'ai posé ça dans ma salle de bain j'ai mis ça sur le mur ça sera tout simplement pour accrocher des serviettes en fait tout simplement mais euh, ou alors euh, j'hésitais entre mettre des, des gants de toilette ou euh, ces serviettes là j'ai préféré mettre ces serviettes là parce que des fois quand euh, on s'essuie on se lave le visage euh, faut aller chercher une grande serviette pour nettoyer et ça j'ai trouvé ça super pratique regardez ce que ça donne cela c'est mes préférés vraiment il ne se décolle pas il ne se décolle pas mais c'est dommage parce qu'il y avait que ça qui restait on va passer au produit suivant, alors je suis tombée sur ces couvercles là, il y a cinq pièces, ils sont en silicone. Donc il y a cinq pièces de cinq tailles différentes, de cinq diamètres différents. Et quand je suis tombée sur ça, j'étais trop contente parce que... En fait, je voyais euh, des verres, en fait. Je voyais euh, bien que ça devait bien me, me dépanner sur les salades à la maison, les bols de salade qui n'ont jamais de couvercle de toute façon. Et, et ça tombait bien aussi parce que j'avais un verre où euh, il y avait un couvercle en bambou qui, euh, bah, qui ne tenait plus. Donc euh, le verre, il se retrouve comme ça, orphelin, sans, sans couvercle et tout. Je me suis dit, euh, je vais utiliser, vous allez voir, vous allez voir ce que je vais faire avec. Vraiment, j'ai trouvé ça super génial. Il y avait aussi en carré, je pense, ou rectangle, je ne sais plus. Donc, ce que je vais faire, c'est de ce verre-là dont je vous parlais. Donc, euh, des fois, euh, comme là, c'est l'été, bon, il est timide, mais bon, on va dire l'été. Il y a des mouches déjà, de toute façon. Euh, quand on va à l'extérieur pour, euh, bah, pour prendre de l'air et tout, je me dis, euh, couvrir comme ça, c'est trop top. Trop top, ça va empêcher les mouches de rentrer ou des bêtes en fait de rentrer dans le verre et c'est juste génial. Et couvert comme ça aussi, ça va éviter tout simplement euh, bah, des bêtes aussi euh, de rentrer ou dans le frigo, ça va éviter qu'un enfant le renverse. Donc euh, j'ai trouvé ça super génial. Et il y a une taille aussi que je me suis dit, bah tiens, là aujourd'hui par exemple, je coupais les pastèques pour mes enfants et j'avais pas envie de couper. Toute la pastèque entière, donc je me suis dit, je vais couper la première et l'autre, je vais conserver. Et devinez quoi, ça collait parfaitement au diamètre de la pastèque. Donc, au lieu de mettre un film alimentaire par-dessus, j'ai mis mon petit couvert comme ça en silicone et le tour est joué. Nickel chrome, c'était exactement la taille de la pastèque. J'étais trop trop contente. Il y a vraiment différentes tailles, donc vous pouvez adapter ça à tout, toutes sortes de récipients en fait. Et voilà, cette vidéo est terminée. Merci beaucoup de l'avoir regardée. J'espère vraiment qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a inspiré. Donc on se dit à une prochaine fois. N'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et surtout, à bientôt.